les gars, c'est Goku. Abonnez-vous à la chaîne de Sofiane le Geek. Kamehameha. Yo tout le monde, ça fait un nouvel qu'on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur le jeu Dragon Ball Legends. On va partir en PVP pour aller jouer une team avec les 3 ultras, à savoir le Vegito SCJ Ultra, le Gogeta Blue Ultra et le Black Goku Rosé Ultra. Je pense que ça va être extrêmement puissant, max 2 pouces bleus en mode Genkidama comme d'habitude. Mais juste avant de commencer cette vidéo, n'hésitez pas à aller faire un tour dans la description de cette vidéo. Justement, vous y retrouverez le lien de mon compte TikTok. On est déjà plus de 79 000, vraiment merci à vous, vous retrouverez des quiz Dragon Ball, etc. Mais aussi des débats Dragon Ball. Et en ce moment, on est sur le débat qui est le plus puissant entre Kid Buu et Buan. Eh bien, vous savez quoi? En ce mercredi 19 avril à 19h30, je serai en live TikTok pour aller débattre avec les personnes qui pensent que Kid Buu est plus puissant que Buan. Alors, ne ratez pas ce live, ça sera ce soir, je vous le redis, 19h30, n'hésitez pas à aller follow, le lien est dans la description de cette vidéo, comme j'ai pu vous le dire, et là, on part en PVP pour aller jouer les 3 monstres. J'ai pas le droit de perdre, les gars. Yeah! Ok, première game, on a du Hit Ultra en face de nous, du Gohan Beast, du Zamasu, 11 étoiles. C'est une team vraiment intéressante. Et bah, moi, les amis, hein, vous le savez très bien, on va prendre les 3 ultras en commençant par le Black Goku Rosé Ultra. On va voir un petit peu ce que ça va donner. Franchement, il y a moyen que le Rosé il fasse mal, là. Vu qu'il y a le Gohan Beast et le Zamasu, ça peut croustiller comme de la chips. Ah, vraiment, c'est... Voilà, pour moi, franchement, dans cette saison-là, la méta, avec le Vegito qui a obtenu ses boosts, tu prends les 3 ultras, mais c'est trop puissant. Franchement, c'est trop puissant. Je vais essayer de vous le montrer dans cette vidéo. On va essayer d'illustrer ça. Allez, on est parti. Bon, voilà, je tempo, j'ai l'aspect. Parfait, ça. L'aspect direct pour la torpeur. Oh. Eh ben voilà, ça croustille. Voilà. Voilà, c'est de la chips. Comme j'avais dit, une spé, une strike, bye bye. Ok. Ok. Donc là, il monte la jauge de Gogeta. Donc ça, ça me dérange pas. Voilà, je vais récupérer des PV. Voilà. Parfait. Allez, let's go. Voilà. Hop. Donc là, je remets le Black Goku. Voilà, tranquillement, ça se passe bien là. Hop. Ça touche, parfait. Parfait, il a esquive, ok, très bien. Donc là, il n'y a pas de cover. Parce que quand il fait sa carte verte, les amis, il n'y a pas de cover. Hein. Ok. Vas-y, je prends le temps, je prends le temps. Hop là. Et là, ça fait bobo, frère. Il met le hit. Ah, il a pas mis hit, dommage. J'aurais bien voulu qu'il mette hit. Bon, ok, ne contre pas le Rising Rush. Parfait, il reste plus que hit. On va essayer de le faire croustiller également. Ça va craquer comme de la chips. Tu vois ce que je veux dire, c'est voilà. Bon, pour l'instant, on est pas mal. Après, attention aussi, le hit ultra, il est fort. Mais là, franchement, les gars, regardez la puissance. Regardez la puissance de cette team. Bon, allez, vas-y, hop, hop. Bon, bah là, c'est plié, hein. C'est plié, mon gars. Voilà, c'est fini pour toi. Hop. On va être sur un one combo, je pense. Voilà. Bon, bah, on est sur un one combo. Voilà. Ça va croustiller. La croustillance. La croustillance, les frérots. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il... Il a pas l'air content. Ah. Connexion instable. Ah. C'est bon. Il a quitté, en fait, la game. Bon, bah, voilà. Hein, c'est... Je repose le téléphone. One combo, Gogeta Blue Ultra. Une spé, une strike avec le Black Goku Rosé sur le Gohan Beast. Le Zamasu, pff, il est arrivé, il a fait bonjour, c'est moi, je repars. Voilà quoi les gars, trop puissant. Game suivant. En face de nous, il y a du jaune quand même en face de nous. Hein. Donc moi là, j'ai pas de hit ultra, mais je m'en fais pas. Avec mes 3 persos, hop, on reprend les mêmes, on recommence, on remet le Black Goku Rosé Ultra directement en début de game. Parce que j'aime trop de toute façon l'animation quand... Wow, elle est incroyable l'animation, vous savez de quoi on parle là. Franchement c'est un truc de fou. Comme d'hab, max 2 pouces bleus sur cette vidéo. Et n'hésitez pas à réagir dans l'espace commentaire et me dire si vous aussi vous avez l'opportunité de tester cette team. Si bien évidemment vous avez les 3 ultras, n'hésitez pas. En plus vous regardez ce que j'ai mis sur le banc pour les 4 Zenkai, tout ça. C'est vraiment pas mal, allez. Parfait. Oh bah, boum, une strike, allez. Boum, 2 strikes, allez. Voilà, parfait.
Allez, boum, l'aspect, là c'est trop fort. Là c'est trop fort. Là c'est trop fort. Pour l'instant, Black Goku Rosé, il fait le taf tout seul. Parfait, la belle tempo que je viens de caler là. Ok. Bon bah Zamasu, on va pouvoir lui dire bye bye. Voilà. Il est tout seul, Black Goku. Il est tout seul. Ok, vas-y. Il va tanker un minimum. Il va tanker un minimum. Laisse le taper. Si on peut faire un petit 1v3 avec Black Goku, franchement, ça serait pas de refus. Allez, tu sais quoi, je suis joueur. Je vais pas switch, rien du tout. Parfait, la strike plan, celle que je viens de caler là. Hop, l'ultime, voilà. Un en moins. Pour l'instant, on est sur un 1v3, les frérots. Black Goku Rosé, il est tout seul. Voilà. On va le faire disparaître. Voilà. Voilà. Ok. C'est 1v3. Black Goku Rosé Ultra. Voilà. Bon, je l'ai 8 étoiles. Donc, c'est bien étoilé. Mais il n'est pas 14 étoiles. Imagine-toi le Stromon, là. Et j'étais en train de me dire, ouais, j'ai pas de hit ultra, c'est dommage. Mais frère, y a pas besoin. Y a pas besoin. Black Goku Rosé, il a fait le taf tout seul. Ok, belle team en face. Oh, en plus, il y a 1104 GG. Hey, Blast Z Team. Il fait partie de la guilde de Blast. Bon, bah, on reprend les mêmes. On recommence. Alors, 14 étoiles. Le Vegeta Blue Evolution, ça aussi, c'est pas mal. Est-ce qu'il va prendre le Nigaté? Ah, s'il prend le Nigaté, bon, on verra bien. Mais en tout cas, c'est cool. Un Blast Z de team. Donc, bon, il doit savoir jouer. Il a plus de 1000 GG, les gars. Là, il va falloir se concentrer. Ok, bah, il a pris le Nigaté. Oh, il a pris également le tag. 13 étoiles. Ok, très bien. Faut que je fasse gaffe au tag parce que sur le Black Goku Rosé Ultra, ça peut me faire bobo. Allez. Allez, incroyable l'animation du Rosé quand même. Franchement, les gars, incroyable. Incroyable. Ok. Bim, ça, tu te la prends. Si t'as de la torpeur, ça m'arrangerait. Ok. Je pensais il allait attaquer, mais non. Ok. Je vais pas switch tout de suite. Ok. Je vais cancel. Yes! On a bien cancel, là. Voilà. Bim! Voilà. Voilà. Parfait. Ok, je pensais pas qu'il pouvait le remettre tout de suite le tag. J'aurais bien voulu finir le Vegeta. Voilà, c'est parfait ça. Et on Rising Rush, on se pose pas de questions. Donc on va faire strike. Je pense qu'il va se dire, ouais, il va mettre blast vu que j'ai fait plein de strikes. On est dans sa tête. On est dans sa tête les gars, on est dans sa tête. C'est ça, quand tu fais strike, 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 le mec il dit c'est bon, il a plus de strike, il va mettre blast, tu vois, ou spé, ou... Bah non, j'avais encore de la strike. Ok, un au moins, déjà le tag, ça dégage. Ah, j'ai pas pu l'esquive, ok, c'est pas grave. 14 étoiles, Zenkai 7, le Vegeta, le Rosé il tank. Le Rosé il tank à 8 étoiles. Hein. Ça crit en plus. Hein. Ok, bon là il va faire l'ultime. Je vais mettre le Végéto parce que le Végéto, quand je vais faire le main, je vais récupérer des points de vie. Donc on joue la sûreté. Voilà. Voilà, je récupère mes points de vie. Oh. Parfait ça. Et là, bim. Voilà, là il va avoir Bobo là. Là il va avoir Bobo. C'est ça qui est intéressant avec le Végéto, avec les boosts hein, cette saison les amis. Oh là 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 là. Allez, pour le beau jeu. Let's go. Le Végéto avec les boosts, ça fait plaisir. Vraiment, ça fait plaisir. Tu le rejoues, tu reprends du plaisir, c'est incroyable. Bon, bah, il en reste plus qu'un. Parfait, hop. Voilà. Voilà. Ah non, mais Rosé, c'est... Bah, voilà. Voilà. Je pose le téléphone. Rosé, c'est un délice. Voilà, vous le voyez, c'est là où on voit la grande différence. Vous avez vu là, toute cette semaine, tout ça, j'ai joué même le week-end dernier avec le nouveau tag DBZ, Goku SSJ3, tag Vegeta SSJ2 LF. C'est sympa, c'est cool. Je vous dis comme quoi je prends énormément de plaisir. Par contre, je vous ai dit, attention, c'est pas la carte la plus forte du jeu. Et loin de là. Je vous ai dit, les ultras restent quand même au-dessus. Bah, regardez, preuve en vidéo.
Non mais les ultras sont dans une autre dimension. Vraiment, vous avez vu comment c'est super fort. Mais c'est... Ça se passe bien. Ah franchement, ça se passe bien. Donc voilà les amis, merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est toujours pas fait en activant la cloche pour recevoir les notifications. Encore une fois, je vous le redis, n'hésitez pas à aller dans la description de cette vidéo et aller vous follow à mon compte TikTok. Ce soir, là, 19h30, débat Dragon Ball, Kid Buu versus Buhan, qui est le plus puissant. N'hésitez pas à venir. Et puis de toute façon, voilà, quasiment tous les deux jours, on est en live sur TikTok et tous les jours, on sort des vidéos TikTok. Merci à vous, merci pour les likes en avance et n'hésitez pas à réagir dans l'espace commentaire. Sur ce, n'oubliez pas, la passion passe après les priorités. Ciao! Mettez un pouce bleu sur la vidéo de Sofiane le Geek. Sinon, la colère de Freezer s'abattra sur vous.